êtes sur le site de Blanc-Mesnil, en Seine-Saint-Denis, chez Paprec Recyclage, là où toute notre histoire a commencé. Nous avons deux usines, à Blanc-Mesnil et à La Courneuve. Et en 1994, nous étions 40 et aujourd'hui, on est plus de 4000. Cette usine est bien placée, étant donné qu'elle est près de l'autoroute A1, elle est près de la RN2. Et nous allons pouvoir traiter tous les déchets du nord de la région parisienne. Sur Blanc-Mesnil, cette nouvelle chaîne de dernière génération va traiter le DIB, c'est-à-dire le déchet industriel banal. Elle va prendre le relais de l'ancienne usine. Et ici seront traitées plus de 100 000 tonnes de déchets. Et nous avons investi 12 millions d'euros. Et ainsi, nous allons pouvoir valoriser au maximum les entrants. Concentrés en carton, en plastique, tous ces produits sont aujourd'hui valorisables. Alors, cette machine, c'est un trioptique. Et donc, son travail, c'est de sélectionner le bois pour le retirer, je veux dire, du déchet ultime. Le recyclage n'est pas un vain mot, il faut y penser et Paprec et cette usine est un exemple comme quoi quand on a un geste écologique en donnant des produits à recycler, ils le sont effectivement. Derrière moi, les matières secondaires, c'est-à-dire tous les produits qu'on a pu valoriser par l'intermédiaire de l'entrant. Cette usine aussi est un exemple comme quoi encore en Seine-Saint-Denis on peut recréer des usines industrielles qui créent des emplois et non délocalisables.